Bonsoir à toutes et à tous mes amis, chers youtubeurs, youtubeuses. En ce vendredi 20, il y a des poussières. Voilà, les 22 h et quelques, on n'a pas encore mangé. On va pas tarder. J'avais envie de refaire une petite créa encore ce soir. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, j'ai envie de faire pas mal de créa. Donc voilà, tant que j'ai envie, hein, j'y vais, hein, c'est parti. Hein, voilà. Donc comme la dernière fois, je vais le faire et vous allez deviner c'est quoi. Bon par contre c'est que de la créa, c'est pas, je suis pas en train de monter un film ni quoi que ce soit. Hein. J'ai mes propres idées et voilà ça vient comme ça et voilà. Donc on avait pensé que je vais présenter un film machin. Voilà je cherche des images, les découpes. Et après je fais à ma façon donc voilà après vous aimez vous aimez vous aimez pas bah, tant pis hein, c'est pas grave. Bon, allez on va commencer, j'ai déjà tout préparé là, tout est prêt pour commencer, ça je perds moins de temps et ratatouille, on va commencer. Allez on va descendre le schmiblick, le schmibibibibibibic. Alors, j'espère que vous voyez que c'est pas trop. Enfin, j'aimerais qu'il soit bien là, qu'on voit bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Bon, comme d'hab, hein, je vous mettrai une petite musique. Hein. J'ai trouvé la musique de ce que je suis en train de faire là. Donc apparemment il y a certaines personnes ça leur a plu quand j'ai fait ma créa de je sais plus quoi là de Superman, voilà. Donc j'avais mis une petite musique de Superman et apparemment ça a plu beaucoup. Donc voilà, allez j'arrête de bagasser et je me mets à l'attaque. C'est parti.
c'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné. Gentleman cambrioleur est un vrai Le bel Arsène.
C'est un berceau de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'emmêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans sorcelle, l'Arsène. C'est le roi d'étincelle, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène.
Mania vient de se terminer. Là, je vous l'ai montré. Et voilà. Voilà. Là, je crois que vous le reconnaissez tous. Pour ceux qui sont de la vieille génération. Voilà. Arsène Lupin. Voilà. Je vous ai dit que j'allais faire Arsène Lupin. Ah, voilà. Donc comme d'hab, hein, je vais faire une photo, je vais mettre sur Instagram. Et vous me direz si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. Là, ma petite scrapbook créa. Sur Arsène Lupin. Ça date de loin, ça date, je crois, des Arsène Lupin, c'est de le premier de 1971, si ma mémoire est bonne. Après, il y a eu un nouveau qui a été fait dans l'année 2000. Voilà. Voilà mon petit Arsène Lupin. Voilà. Hop. Donc, comme je vous dis, je mettrai une photo sur Instagram. Et puis voilà, c'est ma petite créa du soir. Voilà, en ce moment, comme je vous dis, hein, en ce moment j'ai envie de faire de la créa. Donc je suis en train de faire plein de recherches là, sur internet. Plus les vieilles séries des années 80, 60, 70, 80, 90. Là j'ai préparé pour Supercopter, je sais pas si vous vous rappelez de la série Supercopter, de K2000 et de Tonnerre Mécanique. Donc j'ai réussi à trouver des images assez sympas. Donc après moi il faut que je trouve l'idée comment je vais les disposer sur mon cahier quoi. Et puis on verra, faut que je trouve des idées et tout. Allez, sur ce, par contre la bombe là, très très bien, la personne qui m'a conseillé ça sur une de mes vidéos, franchement je leur remercie parce que c'est très très bien. Et je pense que demain après-midi, peut-être demain matin je travaille, demain après-midi je vais travailler. Je ne travaille pas, c'est demain après-midi, et on va aller directement à Action, à Créteil-Pompadour. Et s'ils en ont, je reprendrai une ou deux bouteilles. Parce que franchement, c'est très très bien. Donc merci à la personne qui m'a conseillé ça. Allez, sur ce, il est 22h30, je commence à avoir les crocs. Ce soir, c'est une petite salade, hein, c'est une petite piémontaise avec du jambon, un paquet de chips. Cécile, c'est une petite tomate thon que je lui ai préparée hier, mais du coup, elle n'a pas mangé parce qu'elle est rentrée très très tard. Elle est rentrée presque, était 1h du matin. J'espère que la personne va le... Parce que dépasser 11h du soir, c'est tarif de nuit. Donc c'est plus la même paye, je veux dire. Donc allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais pas vous embêter plus. Et puis comme d'hab, bah, dites-moi si c'est bien, si c'est pas bien. Allez, ciao mes amis. Hugues.